Aujourd'hui, j'ai décidé d'annoncer à ma copine que j'allais le prendre, ce congé paternité. Je pense que c'est super important d'accorder ses idées avec ses actes, et puis j'ai pas envie de faire comme mon père, qu'arriver alors qu'on était déjà tous à table. Non mais attends, j'ai presque fini, je te donne. Tiens, c'est de la... Vas-y, ouvre la bouche. Ah, c'est bon, hein, la bouillie. En vrai, je suis assez content d'être un garçon progressiste. En fait, j'ai l'impression qu'il va falloir que je prenne un congé paternité. Mais en vrai, j'en ai pas très envie. Mais bon, peut-être que ça va changer parce que depuis quelque temps, je rêve de Simone de Beauvoir. Quoi qu'il soit aussi normal pour un homme que pour une femme d'avoir des enfants et qu'on puisse autant les aimer quand on est un père que quand on est une mère. En fait, j'espère qu'elle va pouvoir m'aider. Épisode 2, le bouquet d'iris. J'ai acheté un bouquet d'iris parce que ça symbolise l'annonce d'une bonne nouvelle. Et bon, là, ma copine, elle va rentrer du boulot. Parce que, comme on n'a pas encore de place en crèche, on se partage le travail. Elle fait le matin, et moi, je fais l'après-midi. Ou alors, je fais le matin, et elle fait l'après-midi. Et on essaie de partager parfaitement à égalité. Mais elle, bon, elle s'est arrêtée 3 mois après la naissance. Alors, ben je lui dois 3 mois. En fait, pendant que je faisais ces calculs, là, le bébé... Il s'est endormi, et donc moi, je me suis aussi endormi. Et évidemment, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'entendais du bruit dans la cuisine, comme la dernière fois. Alors moi, ni une ni deux, j'ai pris mon bouquet d'iris. Je me suis dit, cool, je vais annoncer ça à Simone. Et dans le rêve, je me disais qu'elle allait être fière de moi. Alors moi, j'appelle Simone. Simone ? Et j'ouvre la porte. Mais c'est pas Simone de Beauvoir, c'est Simone Signoret qui cherche son mari. Là, elle s'arrête, elle s'avance vers moi et elle me prend les mains pour me dire un truc hyper important. Si tu n'y prends pas garde, ta vie se déroulera sans toi. Là, en fait, je vois pas très bien où elle veut en venir. Tu crois que si on a un enfant, il faut pas le laisser grandir en votre absence. Il ne faut pas s'apercevoir tout d'un coup qu'il n'est plus un enfant, mais qu'il est déjà un adolescent sans avoir vécu avec lui. Ça, il ne faut pas que ça arrive. Là, j'étais un peu vexé qu'elle n'ait pas vu que je suis un garçon progressiste et que je prenais déjà un congé paternité. Et j'aimerais bien qu'elle me félicite, mais elle réagit pas plus que ça, genre c'est normal. Et elle continue à m'expliquer la vie. Je crois que il faut beaucoup absorber de la vie, de la vraie vie, et de notre vie, qui est la vie contemporaine. Et au bout du compte, je crois qu'il y a beaucoup à gagner. Alors il faut prendre beaucoup de la vie, et je crois que c'est dans ces seules conditions qu'on peut jouer, c'est-à-dire rendre. Et là, elle sort de la cuisine et elle s'en va. Et moi, je me dis que mon rêve, il est fini, là. Il est temps de se réveiller, que ma copine, elle va arriver. Et elle, je suis sûr, elle va me féliciter de ma décision. Sauf que là, il y a Yves Montand qui sort du grand placard qu'on a dans la cuisine, un peu comme dans un vaudeville. Et il vérifie que sa femme, elle est partie. Parce que Simone Signoret, en fait, c'est sa femme. Et il me prend dans ses bras pour me parler d'homme à homme. Je crois qu'il est assez difficile, en effet, de concilier les deux, à savoir d'avoir ce métier de saltimbanque et en même temps d'avoir ce qu'on appelle une vie de tous les jours. Alors, nous avons essayé avec ma femme, nous avons réussi avec ma femme pendant 12 ans, mais je reconnais que ça devient de plus en plus difficile parce que, d'un côté, ma femme est appelée à travailler de plus en plus, elle a souvent refusé des tas de films pour pouvoir rester avec moi. Je suis terriblement exigeant. C'est-à-dire que je ne conçois pas que si on est marié, que votre femme ne reste pas avec vous. Malgré que j'accorde une très grande indépendance à la femme, je l'admets entièrement. Je lui accorde 98%, mais pas 100%.
Et là, dans le rêve, je me dis que Yves Montand, c'est trop pas un garçon progressiste. Parce que je pense que c'est dangereux pour une femme d'avoir 100%, elle est pas bien. Et là, il y a un blanc, et Yves Montand, il commence à se rendre compte que je suis pas vraiment d'accord avec lui. Et l'homme non plus n'est pas bien. Et moi, je m'écarte de lui, et je repousse la main, et parce que je voudrais pas qu'on croie qu'on est du même bord. Mais cela dit, elle doit pas non plus sacrifier tout pour le mari. C'est dangereux, parce qu'un jour, ça risque de vous arriver sur le coin de la figure, n'est-ce pas? Et c'est embêtant. Moi, je lui dis que ça risque pas de m'arriver parce que je prends un congé paternité et c'est moi qui me sacrifie, ok? Et là, ça tombe bien, le téléphone sonne et je dis à Yves Montand qu'il doit me laisser tranquille parce que là, je dois répondre. C'est ma copine et il faut que je lui annonce la nouvelle. Allô? Oui? Oui, c'est moi, Léo Favier. Bonjour? Ah oui, ça m'intéresse toujours. Là, je suis libre. Je suis disponible. Ah, c'est super. Ouais, avec plaisir. Je vous envoie les éléments. En fait, c'était pas ma copine. C'était le centre d'art des terres australes et de l'Antarctique. Et une place se libère pour leur résidence d'artiste. Et ils m'ont choisi. Je me demande comment je vais annoncer ça à ma copine.